autant me dire d'ailleurs. Ça. Grenade. Séminaire. Recherche bibliographique. Je suis sociologue de formation et mes recherches portent à la fois sur les problèmes publics et les questions de sciences participatives. En grande circonstance, j'ai fait ma fac à Grenoble en sociologie. J'ai eu la chance de faire un stage en licence de recherche qui m'a plu et du coup j'ai voulu poursuivre dans ce domaine. Déjà, c'est de pouvoir avoir le temps de lire des livres et de comprendre, d'essayer de comprendre des phénomènes qui, a priori, peuvent être d'aller à contre-sens en fait, de ce qu'on pourrait penser des phénomènes sociaux. J'ai présenté essentiellement les travaux de ma thèse qui portaient sur l'émergence de problèmes publics autour du perchloroéthylène en solvant et d'un syndrome d'hypersensibilité chimique multiple. Quand j'ai fait mon master à l'EHESS et ensuite inscrit en doctorat, je m'intéressais aux mobilisations collectives autour des risques chimiques, des risques majeurs. J'ai poursuivi en fait en m'intéressant à la façon dont plus précisément se constituaient des collectifs autour des problèmes de santé environnement et l'enjeu est de pour moi est de comprendre comment des acteurs ou des personnes qu'on pourrait dire ordinaires, même si j'aime pas trop le mot ordinaire, parviennent en fait à s'inscrire dans des controverses scientifiques et prennent part au débat. Santé publique. Ça dépend, mais je dirais ministère de l'écologie. Communiquer sur les symptômes. J'ai un progressif. Ni l'un ni l'autre, mais Facebook plutôt.